этому матч! Est plus expérimenté que l'autre. Ça risque d'être un match à sens unique. Saviez-vous? Les Skavens jouent entre eux dans de vastes cavernes souterraines. Chaque équipe a l'appui d'un clan majeur. Il y a les équipes du clan Skrir, celles du clan Echin, et ainsi de suite. J'ai rien compris de ce charabia, Jim. Il me parle plus pendant au moins quelques temps. Avec le Blood Bowl, c'est que c'est fichtrement fédérateur. Des orques, des nains, des humains et même des hommes bêtes. Tous réunis pour en découdre sur le terrain.
joueurs préfèrent se battre entouré. Belle rappel technique et précise, parfois ça pime sur la taille ou la force brute. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Il s'est fait bourrer. Tu as vu ça? C'est pour ça que j'adore ce jeu. Tente de rafler le ballon. Le ballon est entre ses mains. Que va-t-il en faire? Qui s'allie pour vous tomber dessus, ça peut faire très mal. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois-ci.
machine à tuer. Voilà un joueur qui est bon pour rester sur la touche un bout de temps. Du corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Les sorciers appellent ça l'énergie cinétique. Au bord du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. Très étrange, Jim. J'ai l'impression que cet arbitre est impartial. Bon, il doit pas être syndiqué.
mains sont déjà très semblables à des marteaux, Bob. On dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de première. Thank you.
joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ils vont en découdre mano à mano, Bob. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la lèvre de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Toi, tu aurais plutôt intérêt à courir. C'est méchant, ça. J'aime bien. Les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté sauvage. Je ne mange plus. Est-ce qu'il a des racines? Faire contre un adversaire cornu. Tu vises entre les deux yeux. Ce joueur a quitté le match et peut-être aussi son enveloppe charnelle.
Même les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté sauvage. Tu as déjà goûté la croxiade, Bob? Une boisson énergétique concoctée par les Skaven du clan Pestilence? Sans façon, je suis pas une flèche d'accord. Mais je suis pas stupide à ce point. Il faut découdre mano à mano, Bob! Pas pour ça! Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Oh, et là, égalité!
sens que ça va me plaire. Très efficace, c'est vrai. Oui, mais j'ai entendu dire qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures tout seul. Oui, personne ne veut de la patate chaude. Oups. J'espère que ce joueur avait rédigé son testament, Bob. Rédigé ? Jim, ces joueurs savent à peine parler. Alors écrire ? T'en as suffisamment interviewé pour le savoir. Ah ! Certains diraient que c'est du vol. Moi, je m'en cogne. Thank you.
compris, prendre comme dans une tournelle ligne. Le sang va couler. Mais pourquoi est-il aussi méchant? J'étais mis KO. Est-ce que je voudrais revenir dans le match? Ça m'étonnerait. Avec deux joueurs de moins, c'est quasi mission impossible. Les deux équipes sont au coude à coude. Ah, ce coup de pied est crucial! J'aurais peut-être quelque chose de profond à dire quand les joueurs se décideront à jouer pour de bon. Terre.
joueur plus tard, s'il se réveille. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Vas-y, mon gars! Mords-y l'œil! Oh, ça ira comme ça, mon gars, ça ira! Ça sent la bonne grosse empoignade! L'union fait la force, comme on dit! Je vois mal comment il pourrait l'arrêter! Très efficace, ces griffes! Oui! Mais j'ai entendu dire qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures tout seul. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique.
mettre la pression sur le porteur. Ça se tient. Libère le porteur de balles. Ah, c'est le genre de cicatrice qu'on garde tout le reste de sa courte vie. Ce joueur, ça va faire mal. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'en-but est en vue. Une tactique inattaquable. En tuant l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer.
montagne de chair. En voilà un qui est aux fraises. Un des fruits les plus mortels qui soit. Pourtant, son horrible goût devrait nous mettre en garde. Ça manque de zone de tacle. Et l'équipe adverse s'en mord les doigts. C'est pas trop tôt. Je commençais à m'ennuyer. Les joueurs KO reviennent sur le pré. Avec des joueurs en moins, c'est plus dur de marquer, forcément. Il faut trouver de quoi les remplacer. L'équipe mène au score, mais elle va maintenant botter pour l'adversaire. Ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite. C'est un match crucial, Bob. Qu'est-ce que ça te fait d'assister à un match aussi important? On va à Quenji. Pose-moi la question quand le terrain dégoulinera de sang. L'attaquant bénéficie de soutien. Il a
ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui. Ouh, ça a dû faire mal, ça. Sont déjà très semblables à des marteaux, Bob. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Je sens qu'on va se marrer, surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. Ce joueur est un vrai boucher. D'après sa bio, il fait aussi de l'animation pour les goûters d'anniversaire. L'attaquant bénéficie de soutien. Cherche clairement le corps à corps.
autre. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Sur le porteur du ballon. Il a intérêt à s'activer. Ah, désolé de te couper, JP. Faut que j'intervienne. Et ça, vite fait, bien fait. On appelle ça une passe de la dernière chance. Le coach a pris tous ses dieux qu'elle lui sauvera la peau. Avant le coup de sifflet final. Les cieux qui roulent dans les orbites, ça ne trompe pas. Il va rester dans les vapes un bout de temps.